L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on peut connecter son smartphone aux nouveaux appareils photo de l'établissement qui sont des Canon PowerShot SX700HS. Donc, première chose à faire sur votre smartphone, c'est d'aller activer votre point d'accès Wi-Fi. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mes paramètres. Sur le point d'accès et ça me permet d'afficher, alors là évidemment je vous montre pas dans la vidéo, le mot de passe qui se permet de se connecter à mon point d'accès. Et sur l'appareil photo, je vais appuyer sur la petite icône ici en forme de téléphone et là il va rechercher des points d'accès. Alors il se trouve que là, c'est bien moi, Android Hotspot, là. Je pourrais, le cas échéant, demander à changer de réseau pour trouver le mien. Je vais le faire pour le besoin de la vidéo. Ici, il faut que je saisisse le mot de passe. Bon, là, moi, c'est déjà fait. Ensuite, je vais choisir auto dans les paramètres réseau. Et là, il est connecté à mon téléphone. Il me demande de lancer l'application dédiée sur mon téléphone. Donc là, je reprends mon téléphone. Je vais aller chercher l'application qui s'appelle Canon CW. Ça se lance. Alors là, il me dit qu'il y a une version plus récente, mais il se trouve que cette version plus récente ne fonctionne pas sur mon téléphone, donc je vais rester avec l'ancienne version. Et ici, je peux choisir, par exemple, là, il m'affiche toutes les photos et toutes les vidéos qui sont stockées sur la carte mémoire du téléphone. Je peux aussi lancer la prise de vue à distance. Alors il me demande de mettre mon appareil sur un trépied parce qu'effectivement quand le zoom sort ça peut éventuellement le déséquilibrer. Et là vous voyez que j'ai sur l'écran de mon téléphone ce que l'appareil photo est en train de filmer. Par exemple là on voit les cheveux de Marc qui dépassent de mon parapluie. Voilà, donc je peux par exemple prendre une photo, je peux zoomer, et voilà.